Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Léa qui va me lire vos tu préfères que j'ai sélectionné, que je lui ai passé pour qu'elle me les dise. Et c'est parti. Alors petit 1, tu préfères le téléphone ou le PC? Les deux sont utiles. C'est horrible comme choix. C'est sûr. Parce que le PC, tu peux faire pas mal de choses. Le téléphone aussi, mais... Après, le téléphone, c'est utile parce que t'as les appels, t'as les SMS, tu peux prendre contact avec les gens. Ouais. Je pense qu'après l'ordi, c'est plus pour jouer, faire des recherches, des trucs comme ça. Alors, je pense que je vais plutôt aller sur le téléphone. Ok. Sage décision. Petit 2, tu préfères être dans ton lit ou être dans ton canapé? Oh, dans mon lit. Comme ça, je dors. Tout le monde est bien dans son lit. Exactement. Petit 3, tu préfères le cinéma ou le bowling? Deux attractions. Deux activités. Plutôt pas mal. Pour bien rigoler un bon coup, on va dire le bowling. Mais le cinéma est bien aussi, hein. J'aime bien les deux, mais... Voilà. Petit 4, tu préfères live ou vidéo? Live ou vidéo, c'est compliqué parce que c'est deux modes différents. T'as les vidéos où tu fais le montage et tout, et que et tu pars de coupure, alors que les live, si t'as un moment... Il y a un moment où t'as une personne qui passe devant ou autre, ou t'as du bruit, etc. Tu peux pas couper ce moment-là. Et que des fois, c'est bien d'être en live. Parce que comme ça, tu peux parler avec tes abonnés, etc. Passer des moments avec eux. Et les vidéos, de base, tu passes déjà un bon moment avec la personne qui est avec toi si t'es avec des gens. Mais après, si t'es tout seul, c'est moins fun les vidéos tout seul qu'à plusieurs. J'ai pas de préférence pour les deux. Est-ce que j'utilise un joker ou j'aime les deux? Après, on va partir un peu sur les lives. Puis en ce moment, j'en fais beaucoup. Moins de vidéos, mais beaucoup de lives. Mais sinon, j'aime bien les vidéos. Surtout avec les gens que je fais. Alors, on va partir sur les lives. Parce que t'en fais beaucoup. Tu préfères le papier ou le carton? Les deux coupes. On dirait le papier pour écrire dessus. Les deux coups. En petit 6, tu préfères courir ou sauter? Courir. Non, en même temps, on n'est pas un kangourou, hein. Petit 7, tu préfères te nourrir que de bonbons ou te nourrir que de fruits? Oh, McDo. On va dire frites parce que les bonbons, quand t'en manges trop, t'as mal au ventre après. Les frites, t'as jamais mal. Faut pas dire stop à des critiques, ça. C'est ça. Petit 8, tu préfères Soprano ou Matt Pokora? Oh, les deux sont énormément bien. Ça va être dur, très très dur. Qui est le meilleur coach de The Voice? Ah bah là-dedans, il y a Soprano, mais... Attends, c'est pas connerie, mais Matt Pokora, il était coach. À un moment donné, oui, mais pour les kids. Ah oui. Ah ben voilà. Adulte, ça a été Soprano et kids, ça a été M. Pokora. Mais j'y vais aller sur M. Pokora pour sa beauté. Voilà, donc là, t'aurais Soprano et M. Pokora en face de toi. Il t'a dit, je te veux dans mon équipe. Et toi, tu vas chez M. Pokora. Pourquoi? Parce qu'il est beau. C'est bien. Petit 9, tu préfères TikTok ou YouTube? Alors, j'ai jamais utilisé TikTok, qui était Musical.ly avant. Alors, je vais préférer YouTube. Logique. Petit 10, tu préfères Twitter ou Instagram? Les deux réseaux que j'utilise, mais j'utilise un peu plus Instagram que Twitter, parce qu'il y a un petit peu plus de monde sur Instagram qui me suit que sur Twitter. Mais en préférence, on va dire Instagram. Ok.
Petit 11, tu préfères les iPhones ou les Samsung? Samsung. Autant traduire par tu préfères avoir de la batterie ou tu préfères ne pas en avoir? C'est exactement ça. Moi je préfère en avoir. Ok. Petit 12, Samsung ou iPad? Ben Samsung, non. iPad, iPod, je sais même pas comment on dit. iPad. iPad, ça m'est un peu dur. Je sais même pas à quoi ça sert. C'est, dans les, c'est des genres de tablettes, des grandes tablettes, enfin c'est tout. Oh, c'est ça, des iPads. Ça nique la vue des enfants, c'est pas bien. Tu préfères en petit 13. Oh, que je porte malheur. Tu préfères Luxe ou Windows? Luxe, c'est quoi Windows? C'est comme Windows, mais. Luxe Luxe. C'est une autre version, j'ai jamais essayé, mais voilà. Mieux vaut rester sur Windows. C'est rapide. Ils sont luxe avec ces Dalton. Tu préfères en petit 14 Google ou Siri? Ben, moi étant dans les Samsung, on va rester chez Google. Hein. Ah, Siri, il est bien Siri quand même. Ben, il te tient compagnie quand tu veux. Et ben, c'est comme Google. Quand tu dis OK Google. Non, dis pas ça. Non, dis pas ça avec mon truc. Si ça s'est déclenché, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Petit 15, tu préfères les SMS ou les MMM? Les MMS. Les SMS. Les SMS. Oh. Petit 16, tu préfères les radis ou les cornichons? Cornichons. Les cornichons dans les burgers. On vous aime. Petit 17, tu préfères mayo ou ketchup? Ketchup. Pourquoi choisir les deux? Mettez un mélange des deux dans les burgers, c'est possible. Oh. Petit 18, tu préfères ne pas savoir lire ou être muet? Tu préfères me ressembler ou pas? Ouais, j'étais muet, des fois c'est pathétique d'être muet, mais si tu veux parler, t'es dans le caca quoi. Alors que tu sais pas lire. Ça peut être aussi un handicap de ne pas savoir lire. Après, le problème, c'est que tu sais pas lire, après, tu sais pas ce que t'achètes. Ou ce que tu veux prendre. Imagine, t'as une liste de courses, tu sais pas lire. Tu fais comment pour faire les courses? Tu fais comme les aveugles. T'as un truc vocal. Il te dit ce que c'est. Ouais. Et ouais. Ouais, vu qu'on est dans la génération de. Le téléphone, le vocaux, machin et tout, alors on va dire ne pas savoir lire. Oh mon dieu. Petit 19, tu préfères être sourd ou aveugle? Alors après le muet, on passe sourd ou aveugle. Alors quand t'es sourd, bah tu vois et quand t'es aveugle, tu entends. je préfère être sourd. Comme ça, j'entends pas les bêtises des gens. Quand t'es sourd, tu te fais renverser par un camion. Parce que même si tu l'as vu, tu l'as pas entendu. Quand t'es aveugle, tu tombes dans les bouches d'égout. D'égout. Ouais, d'accord. Tu tombes dans les bouches d'égout parce que tu les as pas vus. Et tu restes planté en dessous pendant 30 ans. Bah, de base, les plaques d'égout, elles sont fermées. Il y en a parfois, elles sont ouvertes. Et ben, faut les fermer. Tu sais, t'as toujours un aveugle qui tombe dedans. On connaît tous un aveugle qui est dedans. Et pourtant, il a sa canne. Vu que s'il sent un creux au bout de sa canne, il se dit... Oui, mais il y a le sol après, donc il va pas forcément sentir que... Je sais pas comment ça se passe, mais voilà. Je suis sûre, vous aussi, chez vous, vous connaissez un aveugle qui est déjà tombé dans un piège comme ça. Dites-le dans les commentaires. Ketchup, mayo, tout ça, j'en ai payé, moi. Aveugle. Bon, à la bouffe. Tu préfères, en petit vin, être seul au milieu de l'océan ou être seul au milieu du désert? Vraiment, moi je veux faire un petit vin, mais bon. Je préfère être seule. Tu m'as dit océan ou désert? Tu préfères faire Titanic ou dans le désert? Le désert, c'est solo, tu vas fondre. Alors que dans l'eau, tu vas juste peut-être te noyer un peu, mais. On va rester dans l'océan. Au moins, si t'as soif, tu pourras boire. Ouais, mais l'eau est salée. C'est un détail. Allez, petit 21, tu préfères le riz ou les pâtes? Pâtes. Attention à ce que tu dis, les japonais vont être vexés. Attention. Après le riz, tu peux bien rigoler avec. Oh,
tu peux rigoler. N'hésitez pas à rire. Petit 22, tu préfères l'horreur ou le paranormal? L'horreur? T'as un cliffhanger. Ben, c'est pratiquement pareil, hein. Juste que le paranormal, t'auras peut-être un fantôme qui va t'arriver devant les yeux. Mais paranormal, genre, il peut y avoir une licorne. C'est du paranormal et ça fait pas peur. Non, c'est pas du paranormal. Petit 23. Et ça va être le dernier que tu préfères. Ça marche. Tu préfères avoir la diarrhée ou être constipé? Tiens, je te dis ça à l'autre vidéo. Je préférais avoir la diarrhée parce que être constipé alors que tu veux faire et que ça sort pas, compliqué, alors que avoir la diarrhée ça sort tout seul. C'est plus rapide. Ça t'évite de devenir rouge comme une tomate. Mais après, il faut pas l'avoir toute la journée parce que sinon t'es bloqué. Si t'as un rendez-vous, tu vas dans le baba, alors mieux vaut être constipé quand t'es un rendez-vous. Tu vas bien dans le baba, oui, en effet. Mais sinon, on va rester dans, on va dire, dans une petite diarrhée, hein, de 1h ou 2. La petite diarrhée. Si vous aussi, vous êtes adepte de la petite diarrhée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, toi aussi Léa. J'espère que les réponses t'ont fait un peu rire. Ah oui, j'adore. Alors... n'hésitez pas à proposer des tu préfères dans les commentaires pour que je puisse faire d'autres tu préfères. C'est quand même plutôt sympathique de répondre à vos tu préfères. Des fois, c'est un peu dur de répondre parce que t'as deux choix super bien et t'es en mode qu'est-ce que je vais pouvoir répondre l'un ou l'autre. Alors, t'es obligé de faire un genre de plouf plouf dans ta tête en mode bon, on va prendre lui, pire, voilà. Il y a peut-être qui seront d'accord avec moi et d'autres qui auraient pris d'autres choix. Mais je peux pas me diviser en deux et utiliser deux choix. Je pense que. Prochain, tu préfères s'il y a des choix, s'il y a plein de choix compliqués comme ça, prendre des jokers, hein, ça ira plus vite. Après, on verra au moment rouge. Sur ce, je vous laisse liker et commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine.